reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Souba. L'église de Tibi de Choix est en feu. Sérieux? Aïe aïe aïe. Ce que je vais vous montrer ici va sans doute vous étonner. Venez voir ça. Vous serez surpris. Regardez ça. Regardez ça. Oh. Regardez. Et les gens ont filmé ça. Regardez ça. Reporting for Punch newspaper, 5th July 2021. We are live at Synagogue Church of Nation, and presently the church is on fire. The source of the fire is yet to be known. Est-ce que vous avez vu ça? On dit hier les gens sont juste allés célébrer Tibi de Choix. Les gens sont sortis avec des bougies et fait une prière pour lui, même s'il est déjà mort. Et pendant que ces gens étaient en train de s'amuser, voici que un feu sera déclenché quelque part dans l'église, dans sa synagogue. À un moment donné, ça va arrêter la cérémonie. Voici comment ils vont se retrouver. Là, juste là, ici. Vous voyez, non? Et ils courent tous vers là où il y a la fumée. Et les pompiers sont même venus là aussi. Elle dit que présentement l'église est en feu. Elle dit que présentement l'église est en feu, mais la question que je me pose c'est comment est-ce que le feu a-t-il fait pour arriver là-bas? Alors qu'en ce moment, Tibi de Choix est mort, on suppose que il n'y a pas de prière ou bien en tout cas il n'y a pas de grande cérémonie, il n'y a pas de grande fête puisqu'il n'est pas là, il y a un problème, ils sont en deuil. Mais qui va avoir intérêt à le mettre de feu dans l'église du monsieur là, juste aujourd'hui, hein, là où tous ces gars là sont en train de faire la fête, sont en train d'allumer les bougies, même ils ont fait des tricots où il y a son image là-dessus, tout et tout. Quel intérêt une personne gagnerait à faire ça? Ce qui est étrange de cette histoire aussi, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. Ou dans la vidéo, on voyait genre un truc comme un fantôme. Les gens disent que c'est un ange. Genre l'ange de Tibi de Choix, quoi. Qui est arrivé dans l'église là-bas le dimanche dernier. C'est-à-dire le dimanche dernier, juste là. On dit qu'il y a un ange qui est apparu là-bas. Et que cet ange-là, vraiment, c'est que c'est un bon ange. Qu'est-ce que les gens disaient? Les gens racontent tout et n'importe quoi souvent. Mais comment se fait-il que, après que l'ange là soit passé, hein, aujourd'hui, c'est maintenant le feu qui se trouve là-bas? Comment expliquer ça? C'est incompréhensible, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quels sont les complots qui se trouvent derrière cette histoire? Avec qui les gens veulent-ils jouer? Veulent-ils jouer avec nous? La mort est Tibi de Choix. Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était derrière ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière cette histoire? Ça nous amène à vous poser tant de questions. Et les gens sont de dire, mais comment les gens peuvent-ils être si méchants? Comme, qu'est-ce que Tibi de Choix vous a fait pour que vous ayez mis du feu dans son église? Les gens se disent, les gens sont méchants. Quand ils voient ça. Et
entrances of fire. The source of the fire is yet to be known. Quand ils voient ça, ils disent, ah, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Parce que pour moi, je pense que rien n'arrive au hasard. Rien n'est fait au hasard. Pourquoi est-ce que les gens ont attendu le jour où ces gens ont décidé de sortir, aller manifester un peu, courir un peu, faire des trucs petits, bien choix, pour que le feu apparaisse là-bas? Ou bien, qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit que, oh, c'est le feu de la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, faites attention. Quand un malheur arrive à quelqu'un, là, même à votre pire ennemi, ne dites pas, ah, c'est le feu de Dieu qui descend sur lui. C'est le feu de Dieu qui est descendu sur lui. Faites attention. Dieu, là, il agit en son temps. Et la manière dont il agit, là, l'homme ne peut pas comprendre. L'homme ne peut pas cerner cela. Il y a des choses qui sont faites par des humains et les gens pensent que c'est la colère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagnerait à frapper le cet homme? Dieu, lui, n'est pas pressé. C'est l'homme qui est pressé. La parole de Dieu est là. Nous tous nous devons suivre cela. Et c'est ça. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée, son testament. Nous devons lire la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais, à fonction de ton choix, hein, il y aura des conséquences. Voilà. Et chacun marche dans sa vie. Chacun marche dans sa vie. Et c'est des personnes qui disent, non, c'est pas possible. Les gens veulent défier la nature. Qu'est-ce qu'ils font? L'eau, on prend, on boit par la bouche. Lui, eux, ils prennent, ils mettent ça par le nez. Mais quand ils mettent ça par le nez, là, ça passe pas bien. Voir, ça passe mal. À mettre, ils se mettent tous à éternuer d'une manière, non? Ils ont l'impression que c'est comme s'ils vont mourir. Voilà. Les gens veulent défier Dieu. Voici comment les gens veulent défier Dieu. Mais Dieu a déjà tout fait. Il a trop parlé. La parole de Dieu s'est remplie de sa parole. Il ne peut plus rien dire encore. Donc, nous laisse, nous les humains ici, avec nos problèmes. Celui qui le recherche, qui se met dans sa chambre, sérieusement, en esprit et en vérité, il va trouver Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Si toi tu cherches Dieu tout de suite là, Dieu va pas tarder à venir. Il va venir vers toi. Mais d'une manière que toi tu vas pas comprendre ni cerner. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. On ne peut pas se réjouir du malheur d'autrui. Ça, c'est pas une bonne affaire. Voir le feu comme ça là-bas, les gens courir dans tous les sens. Vraiment, c'est pas une bonne chose. Bon, j'espère que tout est dans l'ordre. Are you Victor Lajiga reporting for Punch Newspaper, 5th July 2021? We are live at Synagogue Church of Nation. And presently, the church is on fire. The source of the fire is yet to be known. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez quoi que ce soit. C'est parti.